Hello, hello! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre histoire du DLC de The Walking Dead et nous allons commencer Wyatt, qui apparemment ne voulait pas se faire prendre en photo. Non, pas de paparazzi, s'il vous plaît. Ok? Oh, le bruit dans mes oreilles, ça m'a fait sursauter. Jour 41. God, this is so fucked. Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Oh là là, oh là get là. The shit! Just... Hurry up, Eddie! Here, man. Shoot! Moi? Get him, man! Ok, attends, faut que je target la tête. Jesus, man, Jesus! Non! Attends, il faut qu'il revienne. God, this is so fucked up. Ça bouge trop! This fucking fucked up. Arrête de bouger la voiture, arrête de bouger, attends. Can't see a damn thing out here. Holy shit, man! Did you get up? Are they back there? Moi, je voulais viser la tête, hein. Je suis beaucoup moins clément que ça. Or not? Come on! Wyatt, talk words at me, man! Maybe they crashed? Did you hear a crash? Did you hear a crash? Ils sont à fait peur aussi, ces amours, l'homme. No, I didn't. Here, I'll turn off. On a tous les deux sursauté du coup. Yale Yoberry Road, j'ai pas vu le nom de la rue vraiment où ils étaient. Mais il y a du brouillard. On voit encore mieux, merci hein, mec. Feel that look on me, man. I'm not being an asshole, I'm being smart. No lights, no you know, they can't see us. Christ, I can c'est taste blood in c'est my vrai. Mouth. I don't think it's mine. I guess that makes sense. Yeah, it makes sense, Wyatt. God, I can't Wyatt, j'ai bien lu son nom. Don't barf just yet, okay? Please. This road is really straight. We'll be fine. Okay. At least slow down. What? Fuck no. Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. God, how did that go so wrong? Is that some kind of dig at me? No, man. I'm just saying. It's like, I just... Why didn't they say anything? The guy's taking his shit over there. That's all they had to say. I'm sure it was an accident. I'm not. I wish I was, but... Ow. Lol. Wyatt, all I know is those guys had me all... jacked up, like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Well, thanks for getting us out anyway. Vous avez compris ce qui s'est passé? Let there be light, huh? Dude, shut up. You shut See? Up. It's fine. Road straight as my dick. On n'avait pas besoin de savoir ça. Think we're in the clear? Don't talk about your dick. Why not? All right, let's Tom Cruise out of here. Why is it that you never had a girlfriend again? Oh, right. What there was the more fuck? Than one reason. See if there's still any sticky in the glove box. Il est sérieux? I don't see anything. Dude, il a besoin it's de faire in there. Ça? Look harder. Huh? I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? C'est vrai, Kudo? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her. And she told me that she was five. Think loading the gun is probably more important right this second. Thanks. Okay. Weird, but okay. Shit! Oh non.
Moi, je suis sûr que c'est un zombie, il faut se casser. Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. Wyatt, come on, man, say something. Was that a dude or not? What the... The fucking fog. This night is so fucked, man. It didn't look human. Alive. Whatever. Really? Seriously? J'ai juste envie de me casser, seriously? En fait. Look me in the eyes and say that. You heard me, Eddie. On se casse. On se casse. Mets ta main, mec. Ça va te faire trop mal après. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Pourtant, je t'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Je le sens pas. What's that on the broken side mirror? Hein? Ça? It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. You think that blood on the windshield is fresh or rotten? Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. What's that way out in the road? Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Man, I'm really not seeing anything. Ouais, bah, tu sais, faut s'en aller, moi je dis. Hein. Man, don't look at yourself. This is serious. I wasn't. Whatever, man. Keep looking. Look, Wyatt. It was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't fuck with Tiny Carlos, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do? We go out there. There's no way I'm getting out of this car, forget it. What if that was you, man? After all the shit that's happened in the past couple months, where's your compassion, motherfucker? Eh, dis pas ce mot, hein. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Both of us? I mean, I don't know. Non. Me? I hit the fucking guy. One of us should stay here, though, in non, case. Non. Il vient avec nous, il vient avec nous. J'ai pas envie d'y aller toute seule. Okay. Well... Shit, okay. Here, we'll rock, paper, scissors for it. Are you fucking serious? No. Come on, sitting here is making me nervous. Nah. No way, man, you're nuts. Nah. I'm clear as shit, Wyatt. This is the only way it's fair. Fair? How is this fair? You shot that guy back there, you hit that thing in the road, none of that shit is my fault. All right, I'll go. That's okay. That makes sense. Okay? Vas-y, vas-y. Just go out there. Take a look. On y va tous les deux. On y va tous les deux. Shut up. Let's do this. On y va tous les deux. Sounds good. All right, two out of three, right? Oh non. Non, j'ai pas compris ça moi. Go. What the fuck, dude? Okay. Play the game. Come on. 1, 2, 3, go. Shit. All right. Okay. All right. Yeah. 1, 2, 3, go. Stupid rock. Bye-bye, my friend. Looks like it's me. Il voulait y aller, il voulait absolument y aller, eh bien... Shit. All right. Moi j'ai dit, fallait partir. On devrait pas le laisser y aller tout seul. Coucou Portex, comment vas-tu? Eddie! What, Wyatt? You should get back in the car! No fucking way, man! What if it was you? Stop harping on me to fucking leave! I'm not going anywhere until I see what's up with this guy, okay? Je le sens pas. Si je fais du bruit, il va se faire bouffer. Donc je vais me taire, d'accord? On sait pas s'il y a d'autres zombies dans les bois. J'entends drôle de bruit en tout cas. Il revient, oui, ou MERDE? Allô, Eddie?
J'avais un pote qui s'appelait Eddie, en plus, et il avait le même style que ce gars, il lui ressemble vraiment, donc c'est vraiment bizarre. Il prend du temps, ouais. Je suis contente que tu ailles très bien, Portex, et je vais bien aussi, merci. Juste que je me fais dessus, là, il met beaucoup de temps. Il met beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que je peux sortir ou pas? On va lui parler. Eddie! You see something? Hurry up, man! Dude, leave me the fuck alone, alright? This is my speed. Ah bah dis donc, j'avais une très mauvaise blague en tête. En gros, de dire que si c'est sa vitesse aussi, pendant vous voyez quoi, bah dis donc, la fille elle s'endort, hein. Excusez-moi, j'ai quand même sorti la blague. J'aurais pas dû. Mais, dépêche-toi! Dépêche-toi! Oh. On lui reparle ou pas? Oh. Eddie! What's happening? Do you see anything out there? I can't see a goddamn thing. Here, in case we need to get out of here quick. Ok, merci, mais j'aime... Way to go, idiot! Quoi? Hey, Wyatt, I ate paint when I was a kid. Die. D'accord, c'est très très drôle, c'est très très drôle. It's the smallest hoopty in the world. Prends les clés, mec. Prends les clés. Too dark to see. Non, mais tu rigoles. J'ai pas envie d'ouvrir la voiture, je sais très bien ce qui va se passer. Je sais très bien ce qui va se passer. Hey, maybe I can see better with that guy on. No more drift. Hein? C'est à quoi lui qui va parler de son tuyau, quoi? Oh lol. Non. Allez! Allez! Faut que j'ouvre la porte, j'ai pas le choix. But Eddie's upset about that. He loves this car. I'm staying right here. Hein? Non, mais non. Va aider ton pote. Il veut pas y aller. Ah, ok, maintenant on peut sûrement voir alors. Oui, oui. Why didn't he just leave them in the ignition? Oh! Ah! Shit! Ah! Ah! Oh my god! On peut appeler notre pote, c'est ça? Mais... Ah, son of a bitch! Non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! On peut pas laisser Eddie tout seul! Oh non! Oh non! Oh bon bah voilà, c'est la fin de l'histoire, j'ai pas assuré du tout. J'ai vraiment pas assuré du tout. Je sais pas comment il nous a retrouvés le gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'a bien fait peur, je m'y attendais pas du tout, ça me faisait extrêmement stresser en fait. Parce qu'on sait tous que c'est un zombie qui l'a écrasé, non? Ouais, j'ai pas trop compris en fait pourquoi il y avait un gars qui les poursuivait comme ça et qui veut absolument les tuer. Donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je suis pas sûre d'avoir très bien compris, donc n'hésitez pas à me dire, même si vous faites partie de la team Rediff, qu'est-ce qui s'est passé, sans me spoiler, si jamais on l'apprend pas dans cette histoire-là. Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite histoire. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez me soutenir, m'encourager, ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à bientôt.